rêver d'un prince charmant. Un prince charmant. À 16 ans, 17 ans, rêver d'un prince charmant. Comment serait-il mon prince? Naturellement, il sera beau. Mais la beauté n'est pas suffisante. Dépendant du regard. Comment le rencontrer? Si on disait comment on peut le rencontrer à 16 ans avec les parents qui surveillent tout le temps, avec ma grand-mère qui est aussi curieuse. L'activité préférée était d'aller promener dans les bois. Promener dans les bois. C'était pas trop loin de chez moi à la campagne. Qu'est-ce qu'on dirait? Par accident, mon prochain moment se trouvait. Je retrouverai dans cet endroit où je me trouve. C'était pas ce chemin. Pour une raison pour une autre, si vous retrouverez. Ça arrive à tout le temps. Par accident, on se trouve quelque part. Et c'est là qu'on va faire une belle rencontre. Pouvoir profiter de ce moment avec mon prochain roman. Je ne trouverai pas de moi dire les mots qu'il faut vous dire. Si mon prochain roman serait de passage, comment le capter en un moment? Quel problème, je n'y avais pas pensé. Mais il faut essayer, je trouve un moyen à lui parler. Ça veut dire que je ne serai pas en vie. Ma grand-mère est curieuse. Je le rencontrerai à la campagne. J'irai en vacances. C'était la coutume. Pendant les vacances, on ne restait pas en vie, on va à la campagne. Il faut dire que quand on parle de verdure, à cette époque-là, quand on parle de verdure, c'est très belle. Une verdure, à force qu'on regarde cette verdure, on se sent
Que on est déjà dans un esprit pour accueillir, pour aimer. Le ciel est d'une beauté extraordinaire. Et dans l'après-midi, quand le soleil va se coucher, ton panorama à ne pas oublier. Je me dis que mon prince charmant s'est arrêté là, se serait arrêté là pour admirer ce panorama. À ce temps-là, parce que tout simplement, c'est un endroit touristique qui n'a jamais été exploité, mais que les gens qui se connaissent peuvent inviter quelqu'un à aller admirer la nature. C'est comme si on était dans un paradis terrestre. Je n'ai pas pu dire ça existe sur la terre. Eh bien, comment capter ce passionnement? Pour savoir si elle est le prochain. Ouais. La façon qu'il vous regarde. Et la perte de notion de temps. On peut dire que quelque chose s'est passé. La perte de notion de temps. On est resté à parler un peu plus de temps qu'on aurait imaginé. C'était pas simplement bonjour, un petit bonjour par-ci, comment allez-vous par là. C'est une conversation engagée. Mais dans laquelle on voulait connaître la personne beaucoup plus. Mais il y avait aussi quelque chose du point de vue physique. Je jetais au regard furtif pour admirer son beau corps, ses beaux muscles, de façon subtil. Et lui, de son côté, essayait de faire des petites blagues juste pour me faire sourire. On dirait qu'il est même mouvant et éclaté de lui. C'était une ambiance à ne pas oublier. Est-ce que, à ce moment-là, on avait parlé de sécurité. C'était gaspiller nos précieux mots pour parler de sécurité, disant que on va peut-être avoir des visites de personnes qui veulent attaquer, qui veulent nous voler. Peut-être qu'on ne rencontrerait plus ce qu'il avait une belle tête. Je ne connais pas sa situation financière, il ne connaissait pas la mienne, mais c'était pas ça le plus important. C'est qu'on était attirés l'un vers l'autre. Il avait un de ses regards. Je le voyais encore. Un regard qui ne s'évadait pas.
qui met pas fil. Un regard qui vous soutient. Un petit bras. Un certain qui parlait de franchise. Peut-être encore les fous. La conversation était plutôt élevée. On parlait un petit peu de politique en passant. On ne s'y attendait pas. Mais si on devrait dire, on ne peut pas rester beaucoup dans ce temps-là. Un peu isolé quand même. Même si normalement on n'attaque pas, mais c'était quand même un peu trop de solitude. On peut avoir des visites inattendues. C'est juste pour se réveiller, pour se secouer de cet envoûtement de milieu. Comment peut-on savoir si on s'aimait vraiment? C'était pas un coup de foudre, puisque le panorama était trop fatigant. On avait tendance à ne pas parler des choses désagréables. Ces choses agréables, le pays qui ne marchait pas bien, hein? Les distractions qui manquaient. Il n'y a aucun lieu qu'on pouvait se rendre pour se rencontrer. Plus de cinéma, hein? Plus de club, plus de bibliothèque. C'était triste. Ainsi donc, on se contentait du moment, de la nature, ce petit coin de nature conservé, très cher. Mais il y a une conversation qui doit se faire. Si on sentait une certaine connexion, comment l'échanger? Si on sentait que on peut pas rester davantage, ou bien moi je savais que c'était des moments de vacances, on avait l'esprit calme, l'esprit détendu. C'était pas sérieux. Parce que souvent on dit les vacances, on a le temps de jeter les son boum. Hein? On ne voulait pas de cela non plus. Il fallait voir son regard. Vraiment beau. Il n'avait pas les yeux bleus. Il n'avait pas les yeux gris. Il avait les yeux noirs. Mais d'une beauté extraordinaire. Alors la nature est un complice. C'est la nature un complice. Et n'importe quoi que l'on disait, on sentait que la nature lui donnait une sorte de roulibre, de bourrade, l'accentuait. Est-ce qu'on allait dire? Est-ce qu'on va dire que tout ça est très là? Parce que le temps s'est passé bien vite. Il fallait se dire au revoir. Il fallait se dire est-ce qu'on se rencontrera un jour? Il fallait dire quelque chose. Il faut dire quelque chose. Je n'avais pas l'habitude de parler autant. Ce mot va sortir de ma bouche.
Est-ce que j'allais dire je t'aime, je voudrais te revoir, ou bien si je ne peux pas dire je t'aime, oh, j'ai bien apprécié ta présence. Est-ce qu'il y a un moyen de se rencontrer pour faire un peu de connaissance? C'est ce qu'on nous a pu le dire. De se rencontrer pour faire un peu de connaissance. Et je sais que il n'y a pas moyen. Il n'y aurait aucun moyen de se rencontrer. Eh bien, ce qu'il fallait se dire, le temps se presse, c'est que on devrait échanger les emails, échanger les adresses, échanger les téléphones, et en même temps, je me souviens de dire que ne m'appelez pas au téléphone. Bien sûr, vous devez savoir mon téléphone, mais ne m'appelez pas. Vous allez tomber sur ma grand-mère. Je ne veux pas ça. Elle est trop curieuse. Elle veut tout gâcher. Ça laisse une complicité pour se faire. Ce qu'il fallait refaire, c'est de rencontre. Où est-ce que je dois le faire? Qu'est-ce que vous pensez? Je ne peux pas toujours être dans cette nature. C'est ce qu'il fallait écrire dans cette missive. Où se ferait la prochaine rencontre? Et pour, il faut aller dans un cigare café quelque part, à la bibliothèque, pour écrire les emails. Et c'était pas facile d'y aller. Si on a un internet chez un ami, on ne sortait pas souvent. On pouvait aller, mais on ne veut pas. On ne veut pas que personne se mêle de vos affaires. Un point charmant. Je parle de point charmant. Qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que vous faites? Et la correspondance peut se faire. Mais aller comme ça, sans un baiser, une petite caresse, hein? L'interaction se faisait beaucoup plus lente. Au même moment que je pensais, on ne peut pas aller sans avoir quelque chose en main. Je pense que les esprits se correspondent. Ainsi donc, je tiens la main. La main parle beaucoup. Hein? Se tenir la main, on peut vous dire des choses que les paroles ne peuvent pas exprimer. Se tenir la main, juste se tenir la main. On se tient la main. On est complice. On est qui? Se tenir la main. Soutenir le regard, soutenir la main, soutenir le regard. S'approcher pour dire au revoir. Et se faire une embrassade. Beaucoup de choses se sont passées. Que l'on sent. Mais il faut continuer la connaissance.
On va savoir les parents, leur éducation. On va savoir tout ça. Ce n'est pas comme ça qu'il faut aller très loin. Et faut-il finir avec ce rêve ou bien le continuer? Est-ce que ça vaut la peine? Pour savoir si ça vaut la peine, il faut une certaine connaissance en profondeur. Ainsi, la question à poser, vous venez de quelle famille? Il faut la poser tout de suite à jamais. Vous venez de quelle famille? Quelles études allez-vous faire? Quel est votre métier? Vous déclarez vous-même, vous présentez vous-même. À se présenter lui-même. Et comme ça, vous pouvez évaluer si on est de la même calibre. C'est important. Pas de déception. Est-ce qu'on va considérer les choupeaux, éduquer ou pas éduquer? Il y a des choses qui peuvent se corriger. Éducation, instruction. On peut toujours aller à l'école pour continuer. Et ça va se corriger. Si on est éduqué, on peut réaliser beaucoup de choses. Si on a un pays qui marche, les jeunes ont beaucoup d'avenir. Dans une époque où les jeunes avaient l'avenir, beaucoup d'avenir, si on étudiait. Ainsi, les bonnes questions devraient être posées bien vite. Vite. Il faut pouvoir continuer les deals. Les bonnes questions devraient être posées bien vite. Et le lieu de rencontre prochain n'est pas encore certain. Puisque on vivait dans un pays, on ne peut pas dire. À cette époque-là, il n'y avait pas de problème vraiment de sécurité. Mais on peut s'imaginer. On ne peut pas aussi aller dans un endroit sombre, rester à parler dans un bois pour longtemps et puis y retourner. On n'était pas arrivé jusque-là. Possibilité d'avoir une deal. Et avec le Wix, comme vous connaissez à cette époque, le Wix, le devoir, les parents qui ne comprennent pas, le devoir des parents
Mais content. Mais c'était le seul moyen de s'en sortir. De faire la fonte. Vous voulez perdre votre prochain mot? Voulez-vous perdre votre prochain mot? Voulez-vous perdre votre prochain mot? Il faut affronter, il faut prendre le risque de parler à vos parents et de leur dire ce que vous ressentez, de leur dire pourquoi vous voulez cette personne. Qu'est-ce que vous avez en tête pour rattraper le temps perdu, pour rendre possible une union qui dure. Parce que il a vraiment un bon gars, ça ne suffit pas. J'ai dû avoir un beau sourire, ça ne suffit pas. Vivons dans un pays, reality check. Nous vivons dans un pays où nous devons être préparés pour combattre. La nécessité de la vie. Il faut se préparer. Merci donc. Avoir affronté les parents, on a la possibilité de voir la personne chez soi. Au moins, une conversation peut toujours se faire pour mieux se connaître. Mieux se connaître. Mieux se connaître pour ne pas se tromper. Mieux se connaître. Les parents ne m'apprécient pas de continuer. Il y a du danger dans celui-là. Il faut être toujours accompagné en groupe. Si on va en excursion et aller tout seul, non. Il est vrai qu'on aurait préféré d'avoir un chemin plutôt riche. Comme ça, si on n'a pas de cinéma où aller, on peut louer des films et voir à la maison. Avec l'argent, tout peut s'arranger. C'est dommage que nos jeunes. Ce pays où tout se ferme, toutes les portes se ferment. Les jeunes n'ont plus occasion de rencontrer, de faire des rencontres. De pouvoir choisir leur prochain monde. C'est vraiment